Alors, comment lancer un business en ligne en 2019? Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois lancer un business en ligne en 2019. Alors, je me trouve aujourd'hui toujours à Douala, au Cameroun. Donc, comme tu le sais, je suis là pour quelques jours pour la voir, la famille. Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi et comment tu dois lancer un business en ligne en 2019. Aujourd'hui, Internet, c'est l'outil le plus puissant que tu puisses imaginer. Facebook, YouTube, Instagram. Si tu n'es pas formé sur ces outils-là, franchement, tu loupes quelque chose. Aujourd'hui, sur Internet, tu peux impacter beaucoup de gens en ayant un budget très réduit. Je te donne un exemple. Je tourne cette vidéo, elle va être vue par 1000 personnes. Et ça va me coûter zéro pour que cette vidéo soit vue par 1000 personnes. Imagine les personnes qui ont des centaines de milliers de vues sur Internet. Ça veut dire que tu impactes 100 000 personnes, par exemple. Si tu as 100 000 vues sur Internet, tu vas impacter 100 000 personnes pour juste une connexion Internet. Donc là, j'ai payé un forfait chez Orange Cameroun qui me coûte par jour, ça me coûte, je crois que c'est 2000 francs CFA, c'est-à-dire 3 euros pour 5 gigas. Donc, ça me donne la possibilité de quoi? De tourner cette vidéo, de la partager avec toi et de la partager avec 500 voire 1000 autres personnes, car c'est en moyenne le nombre de vues que j'ai par vidéo. Dis-toi, demain, si tu tournes le même type de vidéo et que tu proposes des conseils dans ce que tu aimes, imagine tu es un chanteur, tu proposes des cours de chant, tu as proposé des cours sur la santé, tu as proposé des cours sur les finances, comptabilité, tout ce que tu veux. Imagine le nombre de prospects que tu peux avoir et derrière, tu vas pouvoir monétiser tes connaissances. Parce que ça se trouve, tu as des connaissances que d'autres personnes n'ont pas et tu peux monétiser ces connaissances-là. Ce que tu peux également faire sur Internet, c'est quoi? C'est promouvoir ton activité. Si tu es auto-entrepreneur, plombier, peintre, dentiste, peu importe que tu aies une activité entrepreneuriale, que ce soit comme travailleur autonome ou travailleur, enfin bref, tu m'as compris, tu peux promouvoir ton activité, donc faire connaître ton activité grâce à Internet. Et ce, comment? Via la publicité Facebook, via la publicité sur Instagram, via la publicité sur LinkedIn. Donc, c'est quelque chose que tu peux mettre en avant et que tu dois maîtriser pour pouvoir derrière attirer des clients. Aujourd'hui, tu peux investir 10 euros sur Facebook pour que la page de ton entreprise soit visible par, je sais pas, par 1000 personnes sur une journée, par exemple, ou même 2000 personnes. Donc, c'est pour te dire que, et moi, c'est ce que j'ai expliqué à des amis à moi qui sont au Cameroun, qui se limitent trop au business local. C'est-à-dire, tu vas ouvrir un bar aujourd'hui, tu vas ouvrir un snack. Comme ils aiment bien dire, comme on aime bien dire au Cameroun, tu vas avoir un snack, mais tu vois, tu vas avoir, ça va être limité. Tu peux avoir un gros chiffre d'affaires, hein, tu vas avoir un gros chiffre d'affaires, mais ça va être limité. C'est-à-dire, tu peux accueillir 1000 personnes dans ton snack, sinon il va exploser. Donc, à part si tu as un snack qui fait, je ne sais pas combien de mètres carrés, mais tu ne peux pas accueillir 1000 personnes dans ton snack. Ça a des coûts logistiques. Tu dois payer un loyer, tu dois payer les employés, tu dois payer l'alcool, la nourriture, etc. Donc, tout ça, ça a des coûts fixes, très importants. Sur Internet, tu peux vendre tes produits à plus de 1000 personnes. Tu peux même vendre tes produits à 1 million de personnes. Et en termes de coûts, ça ne te coûte quasiment rien. Ça va te coûter de la publicité Facebook. Comme je t'ai dit, tu peux en avoir pour 10 euros par jour, même 1 euro par jour pour commencer. C'est largement suffisant. Mais tu peux toucher beaucoup plus de personnes à moindre coût. Tu peux automatiser ton business. Aujourd'hui, lorsque j'envoie des mails, c'est géré de façon automatique. Donc, tu vas envoyer des mails à plusieurs personnes, c'est-à-dire à 5000 personnes, 10000 personnes de façon automatique. Tu peux faire des séquences de mails que voilà, tel jour, envoie tel mail. Tel jour, dans une semaine, envoie un autre mail. Dans un mois, envoie tel mail, tel mail. Tu travailles une fois et tu bénéficies d'un effet de levier, c'est-à-dire tu vas travailler une fois, mais derrière, de façon automatique, ça va envoyer les mails tout seul, tu vois. Donc, moi, j'utilise un système qui s'appelle System.io. Donc, c'est un outil de web marketing qui te permet de créer ton business en ligne. Ça te permet de créer tes produits. Ça te permet de créer, de gérer tes contacts. Ça va te permettre de faire, de gérer tout ce qui est auto-répondeur. Donc, envoyer des mails de manière automatique sans même que tu sois derrière ton ordinateur. Moi, aujourd'hui,
Au jour d'aujourd'hui, j'ai un mail qui part quasiment toutes les 20 minutes. Pourtant, peut-être là, le moment où je suis en train de tourner cette vidéo, j'ai peut-être un ou deux mails qui sont partis vers mes contacts ou vers des prospects ou bien vers des clients tout simplement. Donc, c'est pour te dire que aujourd'hui, avec Internet, tu peux aller extrêmement loin. Je parle extrêmement loin. Tu peux avoir un réel impact sur une communauté. Tu peux créer une communauté que tu vas animer, avec lesquelles tu vas interagir. Et parmi ces personnes-là, il y aura forcément des personnes qui voudront travailler avec toi, car tu vas leur apporter beaucoup de valeur de par tes connaissances, que ce soit en immobilier, en finance, en danse, en chant, en dessin. Enfin, vraiment, si tu vas sur Internet, tape juste comment faire de la flûte, comment jouer au piano, comment s'habiller, comment perdre du poids. Il y a toutes les informations dont tu as besoin. Et toutes ces personnes-là partagent leurs connaissances, créent une communauté. Et sur 1000 personnes, tu vas forcément avoir ne serait-ce que 10 personnes qui vont vouloir travailler avec ces personnes-là parce que voilà, elles sont expertes dans leur domaine. Et moi, je suis sûr que toi aussi, il y a un domaine dans lequel tu es plus bon que la moyenne des personnes ou que tu es plus bon que ton entourage. Tu n'as même pas besoin d'être plus bon que la moyenne des personnes. Si tu es plus bon que ton entourage, déjà, tu peux te lancer sur Internet. Tu peux créer des produits sur Internet. Aujourd'hui, ça me permet, comme tu le vois, de travailler à distance. Donc, de travailler en voyageant. Là, je suis au Cameroun. Je suis venu comme j'ai pris un billet d'aller, un aller simple. Et voilà, je ne sais même pas quand je vais rentrer. Bon, ça, je ne devrais pas tarder à rentrer. Mais voilà, je n'ai pas cette contrainte de me dire « Ah, il faut que je demande 2 semaines de congé à mon patron. » Sinon, voilà. Après, il y a également l'immobilier qui m'a aidé à être indépendant financièrement. C'est que j'ai investi dans l'immobilier pendant 3 ans de façon massive. Je me suis, pour les personnes qui me connaissent, c'est ça que je me suis sacrifié pendant toutes ces années-là. Pas trop de sorties, plus trop de voyages, etc. Mais à un moment dans ta vie, tu es obligé de faire certains choix si tu veux aller de l'avant et atteindre tes objectifs. Donc clairement, moi je t'invite vraiment à mettre en place des actions dès aujourd'hui. Tu peux te lancer sur Internet. Va juste voir le lien juste en dessous que je te recommande, la système.io. Tu vas pouvoir tester l'outil pendant 14 jours et tu vas voir comment ça fonctionne. Comment toi aussi tu peux créer ta base de données, comment tu peux créer des produits en ligne, comment tu peux gérer ton marketing de façon automatique. Facebook. Tu connais, c'est-à-dire tu n'as pas besoin d'être un expert sur Facebook pour partager du contenu, créer des pages Facebook. Enfin, voilà. YouTube, pareil. Créer une chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Aujourd'hui, on est quasiment 18 000 abonnés. J'ai atteint les 18 000 abonnés en 1 an et demi. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Hein. Ce n'est pas facile de créer une communauté comme ça. Moi, si tu le remarques bien, j'ai posté des vidéos 1 à 2 fois par semaine. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi. J'ai quasiment 100 vidéos sur ma chaîne. Il n'y a pas une semaine où je n'ai pas posté de vidéo. Si tu me suis depuis longtemps, je pense que tu vois ma tête assez souvent. Donc ça fait, et si tu me suis depuis le début, ça fait 1 an et demi que je te parle comme ça toutes les semaines, les mercredis et les dimanches en moyenne. Juste, voilà, je ne suis pas expert en web marketing. J'apprends. C'est comme j'ai appris l'immobilier. Je me suis formé en immobilier. J'ai eu des résultats en immobilier. Aujourd'hui, je me forme en web marketing. Voilà, pour partager mes connaissances. Je commence également à avoir des résultats dans ce domaine-là. Honnêtement, tout s'apprend. Et toi aussi, tu peux démarrer dès aujourd'hui. Donc, tu auras juste en dessous le lien pour accéder à la session en immobilier. Donc, c'est une conférence en ligne où je te présente mes résultats, les résultats de mes participants. Et tu pourras tester aussi, toi également, si tu veux créer un business en ligne, voilà, de façon automatique, qui ne te coûte rien. Tu auras accès à ce système qui s'appelle système.io. C'est un outil que j'utilise depuis 1 an aujourd'hui. Donc moi, je te remercie beaucoup. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, partager, commenter. Et voilà, c'est tout. Et je te dis à la semaine prochaine, toujours au Cameroun sûrement, avant le retour à Paris. Allez, ciao.